Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le Seigneur pour cette journée qu'il nous a accordé de pouvoir avoir la grâce d'avoir été ici ce matin et d'avoir aussi entendu la parole, effectivement, qui a vraiment régi aussi nos cœurs par la bouche de son serviteur, notre précieux frère. Et nous rendons gloire au Seigneur pour son amour et sa bonté et sa miséricorde ici de pouvoir nous accorder cette grâce d'être rassemblés effectivement en ces lieux en son nom. Et je crois que notre précieux frère a eu à pouvoir citer une écriture qui dit qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Et la communion fraternelle est très importante et je crois que c'est ce que le Seigneur nous a aussi recommandé dans les saintes écritures. Et je voudrais vraiment aussi saluer chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, c'est aujourd'hui encore que je vois beaucoup de visages. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de la Belgique, effectivement, à Bruxelles. Et aussi ceux aussi qui sont aussi en connexion, en communion aussi avec nous là-bas. Je profite aussi pour saluer quand même quelques frères et sœurs que j'ai pu voir tout à l'heure. Notre frère Brou de Benoît, que j'ai vu tantôt avec sa famille, que le Seigneur le bénisse richement, ainsi que mon précieux frère Boidi et notre sœur Denise et leurs enfants, que le Seigneur le bénisse richement, et tous ceux qui sont venus aussi de loin comme de près, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là réellement pour pouvoir avoir la communion autour de la parole de notre Dieu et lui implorer aussi la grâce qui nous aide à ce que nous puissions entendre, effectivement, avoir réellement aussi l'entendement juste et correct aussi. Je voudrais ne pas oublier à pouvoir aussi saluer tous les serviteurs de Dieu qui sont derrière moi, qui sont présentés. Je ne vous ai pas vu, mais que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux et c'est aussi un honneur pour moi, un privilège d'avoir aussi tous ces hommes de Dieu qui sont là pour que ensemble nous puissions aussi partager et voir effectivement ce que le Seigneur veut et qu'il veut aussi que nous puissions faire. Chacun de vous aussi qui êtes venu de loin comme de près. Je voudrais lire dans les Saintes Écritures, dans le livre de 1 Roi au chapitre 6. Je vais essayer de lire rapidement les Écritures. 1 Roi au chapitre 6. Et nous lisons à partir du verset 1 qui nous dit « Ce fut donc la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel la quatrième année de son règne sur Israël au mois de Ziv qui est le deuxième mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait donc 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur, répondant donc à la largeur de la maison et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi donc fit à la maison de fenêtres solidement grillées et bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient le mur de la maison, le temple, le sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était donc large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées et le troisième de 7 coudées, car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entre pas dans le mur de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent donc entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage intérieur inférieur était sur le côté droit de la maison et on montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit donc de planches et de poutres et de cèdres. Il donna donc 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison et il les lia à la maison par deux bois de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison,
si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai donc au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Amen. Notre Père céleste et notre Dieu, nous sommes consolés, consolés par toi, mon bien-aimé, Père tout-puissant, de ce que nous avons cette grâce de pouvoir nous trouver encore aujourd'hui en ces lieux. Et après avoir aussi chanté les chants à ta gloire à toi, après avoir vu ton peuple se réjouir depuis ce matin devant ta face, mon bien-aimé Père Saint, en nous disant combien c'est merveilleux de pouvoir être dans cet rassemblement, Père. Béni sois-tu encore de cette occasion de encore cet après-midi, Père, de pouvoir lire ta parole à toi, mon bien-aimé Père Saint. Nous sommes heureux de pouvoir réellement la lire parce que c'est ta parole et toi. Tu es réellement l'auteur de ta parole à toi et c'est toi qui peux aussi nous interpréter ta parole. Nous voulons te dire merci parce que nous sommes que des hommes sujets à des erreurs. Je te demande grâce, mon Dieu, pardonne mes péchés, pardonne-moi mes erreurs, mon bien-aimé Père Tibissant. Et pitié, soutiens-moi pour que réellement que ça ne soit pas ma pensée à moi, Père, parce que ton peuple n'a pas besoin de ma pensée ni ma façon de voir, mais il a besoin simplement de ta pensée à toi et ta façon à toi de voir. C'est pourquoi je t'en supplie de tout mon cœur, enlève l'homme, afin que toi tu prennes place. Puisque tu es Dieu, mon roi, tu as dit demander, vous recevrez, je t'implore de grâce, car je t'en supplie, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire une écriture qui est assez longue, effectivement, et qui, en la lisant, nous comprenons et nous voyons, effectivement, d'une manière aussi claire, comment le Seigneur a eu à pouvoir réellement s'adresser à Salomon, après qu'il ait fait ce qu'il a eu à pouvoir faire. Là, c'est là où le Seigneur lui dit, ici, je pense au verset 11, il dit, « L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. » Alors il dit, « J'habiterai à ce moment-là au milieu des enfants d'Israël. » Et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Donc nous voyons que c'était vraiment le désir du Seigneur. Oui, cette maison qui devait être bâtie, nous avons remarqué dans les Saintes Écritures, je pense que vous l'avez lu, ce que je crois qu'on en a référé tout à l'heure, et nos frères et sœurs, probablement qui étaient ici, ont chanté probablement le psaume 23, se référant à David, effectivement, qui comme nous savons, David était un homme selon le cœur de Dieu. Et il a prouvé qu'il était vraiment un homme selon le cœur de Dieu par toujours son obéissance à la parole du Seigneur. Il y a eu un homme aussi, comme nous en avons référé l'autre fois, du nom de Saül. Saül était un roi, alors c'était un homme qui aimait beaucoup la gloire. Il aimait beaucoup être apprécié par le peuple. Il aimait beaucoup être applaudi par le peuple, beaucoup être élevé par le peuple. Mais il ne faisait pas attention, très attention, à ce qui était important aux yeux du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui avait demandé à Samuel de pouvoir aller pour oindre réellement Saül pour qu'il soit roi. Donc cet homme ici, si l'onction de Dieu n'était pas sur lui, il ne pouvait jamais être un roi, parce qu'il vivait avec tout le monde, effectivement, dans la contrée où il était. Quand Israël a eu le désir de son cœur de pouvoir ressembler aux nations, c'est à ce moment-là qu'ils ont demandé de pouvoir avoir un roi. Vous vous souvenez, vous pouvez le lire dans le roi rejeté, pour connaître la prédication en réalité. Alors, ils ont rejeté, effectivement, ils ont dit, oh, parce que Samuel leur dit, mais l'Éternel, notre Dieu, n'est-il pas notre roi? Il dit, oh, Samuel, tu deviens vieux, effectivement, et alors nous voulons que tu nous établisses un roi. Et nous voulons être comme les nations, alors qu'ils n'étaient pas censés être comme les nations. C'était un peuple mis à part.
un peuple qui était conduit par l'Éternel lui seul. C'est merveilleux de voir combien les hommes sont tellement amnésiques. Parce que ce peuple ici, quand on se souvient d'abord comment leur père était, comment ils étaient en Égypte, comment ils sont sortis de l'Égypte, il y a quelque chose de très frappant. Et ils avaient remarqué qu'effectivement que le bras qu'ils avaient fait sortir, ce n'était pas le bras d'un homme, mais c'était le bras de l'Éternel. Et pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert. La Bible dit que leurs vêtements ne s'usèrent point. Leurs chaussures ne s'usèrent point non plus. Pourquoi? Parce que Dieu prenait soin d'eux dans le moindre détail. Je ne pense pas qu'un roi pouvait faire cela pour son peuple, monsieur. Prendre soin de tes sandales, de tes vêtements, tous les jours. Mais là, Dieu l'avait fait. Prenez soin de chacun d'eux et dans le moindre détail. Alors, nous comprenons. Alors, voilà que ça faisait mal à Samuel de pouvoir voir que ces gens, ils sont devenus amnésiques. Ils veulent copier, effectivement, les nations. Ils veulent ressembler, effectivement, aux nations. Alors, il a pleuré devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit, Samuel, Samuel, ce n'est pas toi qu'on rejette. Eh bien, c'est moi qu'on rejette. Il n'y a pas de problème. Donnez-leur un roi. C'est comme ça que Saül, effectivement, a été donc choisi. Et on l'a oint et qu'il est devenu roi. Donc, c'est Saül-là, c'est le Seigneur qui dit à Samuel, son prophète, il lui dit, va effectivement dire à Saül ceci que, oh, quand mon peuple Israël est sorti de l'Égypte, et pendant qu'il était sur son chemin de devoir, Amalek s'est levé pour pouvoir se mettre effectivement sur son chemin. Alors, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que là, Israël a dévié, il a continué le chemin de l'autre côté parce qu'il ne voulait pas qu'il passe par là. Mais il a quand même continué son chemin. Et vous savez, Amalek a dit, bon, de toute façon, si vraiment leur Dieu était puissant, il allait me combattre, effectivement. Mais Dieu n'avait rien fait à ce moment-là. Il a laissé son peuple continuer. Mais Dieu que nous servons, mon frère et ma soeur, il n'oublie jamais rien du tout. Oui. Ça, c'est aussi important que nous le retenions. Nous pouvons pavaser ainsi de suite, effectivement. Mais Dieu n'oublie jamais rien. Alors, au temps marqué de Dieu, il dit à Samuel, il dit, mais va dire à Saül que je me souviens de ce que Amalek fit donc à Israël lorsqu'il sortit effectivement d'Égypte et comment il lui créa des problèmes. Mais maintenant, je t'envoie, toi, va là-bas. Il faut vouer par interdit. Il a bien détaillé, hein, que ce soit les femmes enceintes, que ce soit les bébés qui sont à la mamelle, effectivement, les brebis, tout doit être voué à l'interdit. Quand Dieu parle, il est clair. Vous savez, on n'a pas besoin d'interpréter ce que Dieu a dit. Parce que quand il parle, c'est clair. Alors il a parlé effectivement et Saül a dû entendre parce que c'était Samuel qui a donné la parole. Et Saül devait avoir du respect à la gloire de Samuel parce que s'il est devenu roi, c'est parce que Samuel l'avait oint. Et voilà qu'il est parti là-bas, il a trouvé effectivement ce qu'il a trouvé et puis après ils sont revenus. C'est à ce moment-là que, pensant que Dieu ne voit pas, mais en fait le Seigneur ne regarde pas tous les bruits que les gens font. Ça ne l'intéresse pas. Ah oui, mon frère et ma soeur, tous les bruits que les gens peuvent, ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton cœur, en fait. C'est ce qu'il y a. C'est pour ça que dans Esaïe 28, il dit ceci. Il dit, ce peuple que vous voyez, il m'honore simplement de ses lèvres. Ah oui, c'est écrit comme ça. Il m'honore de sa bouche, c'est là, effectivement. Mais, et puis, la crainte qu'il a de moi, c'est une crainte de tradition. Parce que son cœur est éloigné de moi. Parce que Dieu sonde les restes et les cœurs. Et il veut voir, effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur de ton âme. Et quand tu parles, effectivement, est-ce que ce que tu dis correspond à ce qu'il y a à ton intérieur? C'est cela qui est important. Alors qu'il est arrivé, effectivement, il est revenu. Alors le Seigneur dit à Samuel, dit, mais je me repens d'avoir choisi, effectivement, Saül, effectivement, comme roi, parce qu'il n'écoute pas toujours ce que je lui dis. C'est pour ça que Samuel, triste, est allé voir
Saül, il trouve Saül là-bas, Saül le voit, il dit, oh, il y a Samuel, béni, béni soit l'Éternel, effectivement, il dit, ah, je suis heureux de te voir. Et puis Saül dit à Samuel, ah, j'ai accompli tout ce que l'Éternel m'avait demandé de faire. À ce moment-là, maintenant, Samuel pose la question à Saül, il dit, tu as fait tout ce que l'Éternel t'a dit de faire. Il dit, j'ai fait 100%. Il dit, mais si tu as fait 100%, mais d'où vient donc le bêlement que j'entends de l'autre côté? Parce que tu m'as dit que tu as accompli la volonté de Dieu, mais d'où vient le bêlement que j'entends? À ce moment-là, écoutez ce que l'homme dit. Ah, c'est le peuple. C'est le peuple qui a voulu que je puisse avoir des brebis grasses, effectivement, pour l'amener qu'on offre à l'Éternel. Mais en fait, quand Dieu s'est adressé, il s'est adressé à toi, pas au peuple. Ah oui, ah oui, c'est toujours la raison. Le peuple, non, ce n'était pas au peuple que Dieu s'est adressé. Il s'est adressé à toi. Donc maintenant, le président dit non, le peuple voulait ceci et ceci et cela. Oui, monsieur, oui, madame. Vous savez, frère et soeur, un serviteur qui se dit serviteur de Dieu, qui s'appuie sur le peuple pour faire ce qui doit être fait, il a un problème. Alléluia, oui, mon frère. Parce que quand Dieu choisit un homme, il envoie, s'il est berger, il doit conduire le troupeau. Ce n'est pas au troupeau de conduire le berger. Non, monsieur, s'il vous plaît. Ceci est très important, frère. Parce qu'on voit des prédicateurs qui ne veulent pas prendre position pour la parole de Dieu parce qu'ils ont peur du peuple. Oh, mais si je prêche comme ça, comme le peuple est habitué comme ça, comment ça va se passer? Ah, ça, il y a un problème. Ce que jamais, jamais Dieu ne t'a appelé au ministère. Parce qu'un homme qui aime satisfaire le peuple pour que le peuple l'applaudisse, il a un problème. Ah oui, monsieur, monsieur, madame, oui, bien sûr. Vous voulez un exemple? Mais voyez-vous dans les Saintes Écritures, dans Jean au chapitre 6, le Seigneur dit, c'est lui qui ne mange ma chair ni ne boit mon sang, n'a pas la vie. Il dit bien clairement, il n'a pas mâché ses mots. Hein. Il dit, ma chair ici est une nourriture. Hein. Et mon sang, moi, est un breuvage. Mais on a dit, mais cet homme, il doit être fou. Il doit être fou. Nous dire que sa chair, on doit la manger. Et puis, deuxièmement, nous dire qu'on doit boire son sang. Parce que si on boit son sang, on mange sa chair, on a la vie éternelle. Il dit, ça, c'est quand même trop fort. Pourquoi d'abord? Parce que, un, Moïse avait dit qu'on ne pouvait pas manger du sang. Oh, c'est écrit, mon frère et ma soeur. Les sangs, boire du sang et manger du sang, c'était interdit. Mais lui, il vient pour pouvoir. Merci, mon frère. Lui, il vient pour nous dire à nous que nous devons boire son sang. Bon, s'il disait être le sang des animaux, ça va. Mais maintenant, c'est le sang humain. Il n'a jamais expliqué cela. Vous savez ce que ça produit, effectivement? Tant chez les Sadducéens, le pharisien, c'était un scandale, mais également parmi ses disciples. Alors, si c'était moi ou d'autres prédicateurs, en voyant cela que les gens commençaient à se poser des questions, parce que les gens ont dit, mais c'est une parole très dure en plus, et puis sa façon de pouvoir prêcher, c'est pas normal. Ah oui, c'est sûr et certain. Et qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Les gens ont commencé à murmurer. Et si c'était nous, on aurait dit, ah, il faut qu'on trouve un moyen pour changer, pour que le peuple se calme. Ah non. Il est resté tranquille. Et voyez-vous, mon frère et ma soeur, ses disciples se sont levés. Ils ont dit, en tout cas, il a été trop fort. Celui-ci, qui peut l'écouter, il faut l'abandonner parce que non. Il n'est pas du même style, du même calibre que nos sadducéens, nos pharisiens. Non, on ne peut pas rester là. Et ils ont commencé à partir. Le Seigneur n'a pas bougé. Si c'était nous, on avait trouvé les moyens d'arrondir les ongles et puis changer un peu et pour garder la population. Alléluia! Mais lui, il n'a pas bougé. Il n'a pas dit, ah, s'il vous plaît, restez, si vous m'abandonnez, que moi je serai encore pasteur, on va s'arranger, on va s'arranger. Ah, venez, on va discuter. Non, 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 non. Non, 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 il est resté tranquille. Il observait ce que la parole produisait dans le cœur de ceux qui se disaient croyants. Oui, monsieur, oui, madame, oh oui. Mon frère et ma soeur,
ce qui manifeste ta nature, ce n'est pas un homme, c'est la parole de Dieu. Et oui, c'est sûr. Et, certain. Et voilà que tous sont partis, il est resté tranquille. Et encore, il appuie encore très fort. Il regarde les 12 qui étaient là, qui étaient restés avec lui. Il a dit, bon, on reste avec toi. Il a dit, mais oh là, pourquoi? Parce que vous connaissez ça, non? L'influence d'un autre. Vous connaissez, non? La prédication, vous l'avez entendue. Merci. Il regarde les autres, effectivement. Il dit, oh, pourquoi vous restez ici? Vous pouvez aussi vous en aller. Alors là, en tout cas, c'est quand même fort. C'est quand même fort, mon frère. Il pouvait les supplier en disant, Alléluia, gloire à Dieu. Au moins, vous êtes resté avec moi, vous avez reconnu mon ministère. Non, pas du tout. Non, pas du tout, mon frère. Non, mon frère et ma soeur. Il faut que celui qui est un homme qui sert Dieu, il doit connaître sa position. Non, monsieur, je ne peux pas changer ma position pour un frère ou pour une soeur ou pour la population. Non, ma position reste la parole de Dieu. Alléluia! Oui, monsieur! Oui, madame! Notre maître a été comme ça. Alors on dit, tel maître, tel serviteur. Non, mon frère! On donne trop de pouvoir à l'église, aux femmes et aux hommes. Non! L'autorité appartient à la parole, monsieur. Et c'est la parole qui doit conduire, celle qui doit déterminer. Oui, monsieur! Il a dit, sans moi, vous n'avez absolument rien fait. Nous ne sommes pas appelés à pouvoir chercher la gloire des églises, de ceci et des hommes. Non, messieurs, il n'y a qu'une seule gloire qu'on cherche, c'est la gloire du Seigneur Jésus. Que les hommes m'aiment ou ne m'aiment pas, mais qu'ils aiment lui, c'est le plus important. Parce que je n'ai pas été appelé pour qu'on me mette sur le piédestal les grands hommes de Dieu. Je n'en ai pas besoin. C'est donc j'ai besoin que lui, soit sous le piédestal. Mon Seigneur Jésus, glorifié par les hommes, parce que c'est celui qui m'a sauvé, qui t'a sauvé. C'est lui qui doit être glorifié et élevé, mon frère. On ne doit jamais élever un homme. Quoi qu'il soit grand de toute manière, jamais l'élever. Le seul qui doit être élevé, c'est Jésus le Christ, mon frère. Alléluia! Vous savez, mon frère et ma soeur, Jean le Baptiste a dit, le premier précurseur, effectivement, il a dit, il faut que je diminue et que lui puisse croître davantage. Alléluia! C'est la même chose avec nos frères. Tout homme doit être rabaissé, mais Jésus-Christ élevé, monsieur. Mon frère et ma soeur, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Oui, les prédicateurs cherchent à pouvoir toujours donner des prédications pour que les gens... Ce n'est pas nécessaire que les gens puissent nous chanter après. On n'en a pas... En fait, je dis que un prédicateur ne peut pas chercher cela. D'ailleurs, je voudrais que vous appreniez ceci. Le fait de pouvoir se tenir ici et prêcher n'est pas une garantie du salut. Non, monsieur. Les gens croient que quand on se met à prêcher, alors là, on est déjà sauvé. Non, monsieur. Ce n'est pas une garantie que tu es sauvé. L'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre dit, je cours non pas comme battant l'air. Il dit, je traite durement mon corps, afin qu'il soit assujetti. Pourquoi? Il dit, de peur, Paul le dit, hein, de peur d'être rejeté moi-même, après avoir prêché aux autres. Donc prêcher, ce n'est pas une garantie du salut, mon frère. Non, c'est très important de comprendre cela. Nous avons besoin de pouvoir revenir aux choses qui nous concernent, comme je l'ai entendu encore ce matin. Ces choses qui nous concernent, effectivement, ces choses qui concernent le Seigneur. Parce que si je vous pose une question aujourd'hui, comment est-ce que vous savez que vous êtes l'épouse? Et d'ailleurs, quand on parle même de l'épouse, comment vous savez que l'épouse existe? Comment cela vous est-il venu aussi à la connaissance? Deuxième chose. Comment est-ce que vous et moi, parce que je le crois aussi, que nous sommes arrivés à reconnaître, parce qu'il y a eu des prophètes qui sont sortis, à reconnaître, nous, que William Branham est vraiment
le prophète de Dieu et qu'il est aussi le messager de l'âge. Je vous pose la question, comment êtes-vous arrivé à pouvoir croire cela? C'est important. Parce que bon, certainement, vite, nous croyons, mais en fait, il faut qu'on puisse se poser la question, mais comment suis-je arrivé à pouvoir réellement croire? Vous savez, je vous dirais que cette question que les frères nous posent est un peu bizarre. Bon, je ne vais pas être bizarre, mais ça va vous étonner peut-être. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui se font baptiser au nom de William Branham. Oui, monsieur. Oui, madame. Ils se marient au nom de William Branham. Oui, monsieur, je peux vous envoyer toutes ces images, là, vous pouvez les voir. Il s'agenouille devant la photo de William Branham. Et pour eux, vous savez, c'est William Branham qui est au-dessus. Moi, je vous pose la question de pouvoir savoir comment est-ce que... Parce que si vous remarquez, ces gens-là qui adorent William Branham, qui se marient au nom de William Branham et qui font tout au nom de William Branham, c'était des gens aussi qui avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais demander quelque chose à mon frère, à mon précieux frère. Dans le bureau où j'étais là, il y a le livre de 7 sceaux. Tu peux me l'amener, s'il te plaît. Je voudrais lire quelque chose parce qu'on aime beaucoup ici. Je vais vous lire quelque chose là-dedans. Alors, regardez. Ces mêmes personnes-là ont été baptisées parce que pour qu'ils puissent arriver à pouvoir maintenant marcher avec William Branham, c'est qu'ils devaient d'abord réaliser que nous étions dans la fausseté et qu'ils étaient baptisés dans le faux baptême. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est après. Après, effectivement, que après avoir été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ont été rebaptisés au nom de William Branham. Merci beaucoup. C'est la révélation de cette sœur. Je vais lire. Ils ont été rebaptisés au nom de William Branham. Jusqu'aujourd'hui, ils en sont. Alors, expliquez-moi, frères et sœurs. D'abord, comment vous pouvez passer du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ au baptême au nom de William Branham? Il ne faut pas m'en vouloir, hein. Bon. Révélation de cette chose. Je prends à la page 321. C'est ça, je pense que c'est cela. Donc, c'est la révélation de cette chose. Quatrième chose. Alors, je commence un paragraphe 289. Ah, ça c'est le frère Branham qui dit. Comme je le disais ici, il n'y a pas longtemps, là ou quelque part, si les apôtres ont eu un credo, c'est bien acte 2, 38, précisément. Je ne lui en ai jamais connu d'autre, pour les apôtres, il dit, mais c'est ce qu'il demandait à tout le monde de faire. Est-ce que vous comprenez quand je lis? Dites amen si vous comprenez. C'est les prophètes, c'est pas moi, c'est les prophètes. Est-ce que vous comprenez ce que je lis? Alors, je vais lire. Il dit, c'est ce qu'il demandait à tout le monde de faire, les apôtres. Il dit, quand il en a rencontré qui avait l'air d'être chrétien, toujours là, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous vous souvenez, acte 19, vous vous souvenez? Donc le prophète, on parle ici. Il dit, quand l'apôtre a rencontré, il dit bien, quand il en a rencontré, qui avait l'air d'être chrétien. Il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit, nous ne savions pas qu'il y en avait. Et il a dit, dans ces cas-là, comment avez-vous donc été baptisés? Alors, paragraphe 290, il dit, or, de ce fait, écoutez bien, c'est le prophète,
Or, de se faire baptiser au nom de Jésus, ou plutôt au nom de notre Seigneur Jésus, c'est bien. Je répète encore, paragraphe 290, révélation de cette sceau, donc quatrième sceau, paragraphe 190, dit, or, de se faire baptiser au nom de Jésus, ou plutôt au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, c'est bien. Mais, ça ne s'arrête pas encore là. Oh. Ah oui, c'est le prophète. Il dit, c'est bien, c'est important ceci, mon frère et ma soeur. Il dit, mais c'est bien d'être baptisé, effectivement. D'abord, nous avons remarqué qu'il a dit ici, quand on a rencontré quelques-uns d'autres qui avaient l'air d'être des chrétiens. L'air d'être des chrétiens. Et puis il dit, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas encore là. Il dit, non, monsieur, les prophètes. Il dit, vous pourriez, maintenant il dit, mais vous pourriez vous faire baptiser 50 fois de cette manière-là, et ça ne vous servira absolument à rien. Donc, me faire baptiser 50 fois au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que cela ne me serve de rien, c'est quand même, ça ne sonne quand même pas normal. Bon, ce n'est pas moi, c'est les prophètes. Alors, il continue en disant, cela ne vous servira seulement à rien. Pourquoi? Il dit, tant que votre cœur n'aura pas été changé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez, mon frère, ma soeur? Vous savez, s'il vous plaît, nous jouons beaucoup la comédie. Nous jouons beaucoup la comédie, hein, avec ce que nous avons dans nos mains. Ainsi, frère, on n'a pas été appelé à pouvoir être comme dans une pièce de théâtre pour jouer une pièce de théâtre, un rôle. Non, monsieur, il s'agit de choses sérieuses, de votre destination. Mon frère et ma soeur, il y a une chose que vous devez être sûr et certain. C'est laquelle, mon frère? Oui, on fait tout ça parce qu'on a l'ambiance de tout le monde ici, mais le jour où vous allez mourir, tous ceux-ci ne seront pas là. Dans le cercueil, tu vas aller seul. Ce ne sera pas un pasteur qui va te défendre là-bas, monsieur. Jamais. Parce que la question du salut, c'est une question individuelle. Et vous le savez aussi que Dieu ne traite pas avec la foule, mais avec des individus dans la foule. Donc il s'agit de ta décision à toi, pas être influencé par qui dit quoi, qui dit non. Tu dois être influencé par le Seigneur lui-même. Parce qu'à la barre du jugement, tu n'auras pas le prédicateur à côté de toi. Non, d'ailleurs au cimetière, celui qui t'a prêché, quand on va lui dire, entre dans le cercueil avec la brebis pour la défendre, est-ce qu'il va entrer? Non, posez-vous la question, est-ce qu'il va entrer? Non, tu vas te trouver seul là-bas. C'est pour ça qu'il faut être sûr et certain de la position que toi, tu as. Alors, tu disais, comment nous avons cru à cela que nous avons été vraiment aussi certains que William Branham était un prophète de Dieu? Enfin, nous l'avons cru parce que ceci donc, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible. Parce que on a trouvé cela dans la Bible. Alléluia! Donc, ce sont les saintes écritures qui m'ont convaincu, qui t'ont convaincu que William Branham est un prophète de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est important que l'on comprenne cela, mon frère. Donc, si les saintes écritures ne confirment pas William Branham, il ne serait pas un prophète. Oh oui, monsieur, oui, madame, dites-moi le contraire. Donc ça, c'est tellement si important qu'aujourd'hui, vous l'avez jeté de côté. Oui, monsieur, oui, madame, même si vous ne voulez pas l'avouer, c'est la vérité. Quand on se tient devant le peuple avec ça, on devient un homme abominable. Parce que la Bible n'est pas considérée comme l'instrument qu'il faut. Oui, madame. Oui, monsieur. Or, ce n'est pas cette Bible ici,
que toi et moi nous avons connu que Dieu a envoyé un prophète, et par cette Bible aussi que nous reconnaissons qu'il a le ministère d'Élie. La Bible, mon frère. Pas autre chose, la Bible. Alléluia. Oui, madame. Oui, monsieur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi cet homme de Dieu, il avait toujours ça quand il s'est promené. Il dit, tout ce qui peut être dit et fait, vérifiez avec celui-ci. Vous voulez que je vous rappelle? Démonologie, esprit religieux, paragraphe 99. Allez lire chez vous. Il est dit, monsieur. Ah, oh, que Dieu nous aide. Nous avons besoin, mon frère et ma soeur, dans ces temps, d'un véritable nettoyage. Pas nettoyage d'un homme, mon frère. Il faut que le Saint-Esprit nettoie, mon frère. Il faut qu'on enlève tout ce qui était de l'Égypte. Oui, monsieur, on est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sorti de nous. Il faut un nettoyage. C'est pourquoi il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, lève-nous, nous allons prier, parce que demain nous aurons aussi la réunion. Notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes. C'est vrai, on ne peut pas être agréable à tout le monde. C'est vrai, on ne peut pas être apprécié. Mais c'est toi que nous cherchons que tu sois glorifié. Sois donc béni encore aujourd'hui, exalté mon roi. Maître, prends ta place. Prends ta place dans le cœur de mon frère. Prends ta place dans le cœur de ma soeur. Parce que mon sauveur béni, il n'y a que toi qui sauves. Nous voulons revenir sur les fondements comme nous l'avons entendu, Père. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui ne dort point. Tu as un peuple qui est à toi et les cris retentissent encore jusqu'aujourd'hui. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Nous te remercions, Père. Bénis tes serviteurs, bénis aussi ton peuple, Père, car j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, mon frère. Merci beaucoup.